Alors qu'il est question de savoir si la haute couture doit encore exister ou non, des créateurs continuent de défendre cet art en proposant des collections qui méritent qu'on s'y attarde. Tout d'abord, à noter le retour de Josephus Timister, créateur néerlandais qui a choisi de proposer une collection inspirée des tenues militaires. Rabbi Kérouz, jeune créateur libanais installé à Paris, a quant à lui pensé à mettre de la nature dans ses robes. Je suis entièrement touché par ce qui m'entoure. Et ça se trouve que dernièrement, j'étais assez entouré de forêts. Et je trouvais qu'il y a des moments dans tous ces moments de forêt, toutes ces silhouettes qui peuvent devenir des robes, des arbres. On se demande où on est, à quel moment, est-ce qu'on est en plein hiver, est-ce qu'on est en plein été, quelle saison. Et c'était quelque chose qui m'envahissait. Il fallait absolument que je le traduise dans ces robes. Julien Fournier, qui vient de recevoir le Grand Prix de la création mode 2009 décerné par la ville de Paris, aime la légèreté de l'étoffe qu'il parsème avec talent dans ses robes sensuelles. Quant à Alexandre Vautier, son nom est sans cesse évoqué chez tous les stylistes de stars, de Madonna à Rihanna, qui a d'ailleurs déjà craqué sur une de ses tenues pour son nouvel album.